Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'an 2019 que nous avons voulu un peu différent des précédents. Cette fois-ci, il n'y aura pas de nouveaux papiers sous forme de commentaires rétro-perspectifs. Nous avons plutôt choisi de vous faire revoir certains de nos anciens reportages qui, au cours de l'année, ont porté sur des faits ayant marqué l'actualité des 12 derniers mois. Politique pour commencer, sur ce terrain, le mouvement Amoulanfé, piloté par le Front National pour la Défense de la Constitution, a fortement marqué l'actualité nationale. Le FNDC, c'est ce bloc composé d'acteurs politiques et de la société civile qui s'oppose au projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre à Alpha Condé de s'offrir un troisième mandat. Voulant contraindre le chef de l'État à renoncer à cette réforme constitutionnelle, les meneurs du mouvement annoncent une série de manifestations de rue à partir du 14 octobre 2019. 72 heures avant le jour J, les autorités du pays procèdent à des arrestations jugées arbitraires. Le coordinateur du FNDC, Abdourahmane Sano, et une dizaine de ses compagnons de lutte seront interpellés. Si ces arrestations les ont empêchés de marcher, leur premier mot d'ordre a cependant réussi à paralyser les activités socio-économiques de la capitale. Suivez plutôt ce reportage réalisé au centre-ville de Conakry. Il est signé Sékou Jamal Pendessa. À Kaloum, les rues sont désertes. Circulation presque inexistante, administration publique, entreprises privées, y compris banques et assurances, tout tourne au ralenti. Dans les quartiers comme Temineta et Bolbiné, un groupe de jeunes accompagnés de quelques femmes avait commencé à manifester. Mais les forces de l'ordre en patrouille continue ont très vite étouffé le mouvement à l'aide du gaz lacrymogène. De nombreuses femmes disent avoir été asphyxiées avec leurs enfants. Dans cette concession, la colère est vive. Sur place, on nous apprend que des responsables de l'antenne communale du FNDC, en compagnie des manifestants habillés de t-shirts anti-nouvelle constitution, ont été dispersés et pourchassés avant l'arrivée de notre équipe. Difficile de les retrouver dans les parages. Ils n'ont pas réussi à manifester longtemps, mais apparemment, leur message est passé. Ici, on ne veut pas entendre parler du troisième mandat. Il faut rappeler que les autorités avaient tenté d'étouffer cette manifestation en procédant tout le week-end à l'interpellation de quelques meneurs du mouvement, dont le coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution. Après cette première journée particulièrement mouvementée, la présidence de la République a publié une déclaration dans laquelle le chef de l'État a levé l'interdiction systématique des manifestations de rue faite en 2018 par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. À cause de cette décision d'Alpha Condé qui a abrogé l'interdiction faite par Bourama Condé, le FNDC décide de déclencher désormais ses marches pacifiques auprès des autorités des municipalités concernées par les itinéraires qu'il aura à choisir. Ainsi, on assistera à une série de manifestations autorisées, si vous voulez, non interdites. Je vous propose l'un des épisodes de ces démonstrations de force. C'est avec Mamadou Tanouba.
De Gwesia Fondebouni à la terrasse de Dixine, la foule a massivement répondu à l'appel du FNDC. La marée rouge a accompagné les leaders du Front National pour la défense de la Constitution par des chants et slogans anti-troisième mandat. Arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est l'heure des discours et Sidya Touré a ouvert le bal. Nous sommes sortis donner la paix que nous n'avons pas besoin d'être achetés pour aller dans la rue et défendre notre Seigneur. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous réquisitionner. On n'a pas besoin de donner le mandat au chef de quartier. On n'a pas besoin de se mettre au carrefour pour distribuer l'argent. Nous avons dit aux Guinéens, sortez pour démontrer que nous sommes complètement opposés à un troisième mandat d'Alpha Condé. Et vous venez de le priver. Il est suivi de celui d'Alain Diallo. Nos agents de force de sécurité sont devenus inhumains. Dans notre civilisation, dans notre culture guinéenne, l'amour réconcilie les gens parce que tout le monde vient compatir à la douleur de la famille éclairée. Guinéens, la mort est une source de violence, une source de mort. Alpha Condé a perdu le sens de la raison. Je pense que c'est l'âge, c'est la sénilité. Le coordinateur par intérim du FNDC a clos la phase des discours par l'annonce d'un nouveau programme de manifestation. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, nous allons nous préparer pour le prochain programme de notre manifestation qui sera le jeudi 14 novembre 2019. Cette fois-ci, nous allons commencer au niveau d'aéroport, rond-point, jusqu'au palais. Aucun incident majeur n'a été enregistré le long du trajet. Voilà, vous venez de suivre l'une des manifestations anti-troisième mandat du FNDC qui s'oppose au projet de nouvelle constitution que le chef de l'État propose aux Guinéens, comme il l'a fait savoir récemment dans une adresse à la nation. Mais attention, si les leaders et partisans du mouvement Amoulanfé s'opposent à ce projet, de l'autre côté, il y a aussi des Guinéens qui soutiennent l'idée d'une nouvelle constitution pour le pays. Ceux-ci également se font entendre dans les médias et à l'occasion des meetings ou manifestations de rue comme celle organisée le 31 octobre dernier par la Coudénoc. C'était à l'occasion de la réception grandiose réservée au président de la République qui revenait d'une visite d'État effectuée à l'étranger en Souvelle-Vallée. Des femmes assises à terre sont longtemps restées pour attendre l'arrivée du président de la République. À l'esplanade du palais du peuple, elles sont nombreuses à rester dans cet état. Les filles d'accueil, retenues pour la circonstance, tiennent des parapluies à l'effigie du chef de l'État et aux couleurs du RPC. Toujours dans l'attente de leur champion, les pro-Alpha Condé se livrent à des séquences de pas de danse. Soudainement, le président arrive dans l'enceinte de la cour du palais avec son cortège. Le locataire de Sékou Touré lève la main pour saluer le public venu à sa réception. Alors que tout le monde s'attendait à sa déclaration, notamment sur cette affaire de nouvelle constitution,
Alpha Condé quitte les lieux sans aucun discours. Je rappelle que cette autre manifestation que vous venez de suivre a été organisée par la CODENOC, Coalition démocratique pour une nouvelle constitution. Ce bloc rival du FNDC est composé des partis politiques alliés à la mouvance présidentielle. À l'occasion du lancement officiel de ce mouvement favorable au changement constitutionnel, les acteurs de la CODENOC ont expliqué en quoi, selon eux, il est nécessaire pour les Guinéens de surpasser de la constitution de 2010. Suivez les détails avec Omar Kondé. Dans son discours d'introduction, le ministre des Transports, également président du parti UFC, a énuméré des lacunes de l'actuelle constitution pour expliquer le bien fondé de leur démarche. Pour lui, c'est une constitution qui a été imposée à la population en 2010. En fait, le pays était tenu à l'époque par la communauté internationale, à travers ce que vous avez ici, vous avez, je ne sais pas si vous le rappelez, le groupe international de contact qui se réunissait chaque mois ici et qui prenait toutes les décisions. Le hasard a voulu que pendant cette période-là encore, le président de la CENI de l'époque soit tombé gravement malade. Il en est décédé d'ailleurs après, M. Ben Sekoussila. C'est un étranger qu'on a amené en Guinée pour diriger la CENI. Alors, vous vous dites qu'on était dans une situation pratiquement, on était sous tutelle. Donc, ce n'est pas une constitution que les Guinéens ont choisie. Donc, quand j'entends les gens dire « ne touchez pas notre constitution, cette constitution, on est prêt à mourir pour elle », c'est pas notre constitution. Selon Aboubakar Silla, il ne s'agit pas d'un troisième mandat pour l'instant. Même si la nouvelle constitution pourrait permettre à Alpha Condé d'être candidat en 2020. Les questions de deuxième, de troisième, de quatrième ou de cinquième mandat, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Il est vrai qu'une nouvelle constitution ouvre la voie. Effectivement, et peut permettre au président de la République, s'il le veut, s'il le désire, de postuler à un autre mandat. Ça, il n'en a pas d'obligation, il en a le droit. Al-Hussein Makanera Kake, porte-parole de cette rencontre, a annoncé officiellement, dans une déclaration, la création de la coalition démocratique pour une nouvelle constitution, CODENOC. La CODENOC est une plateforme plurielle et démocratique constituée des partis politiques, d'organisations de la société civile et des citoyens indépendants qui entendent promouvoir des actions à l'intérieur du pays et partout dans le monde en faveur d'une nouvelle constitution. Donc à partir d'aujourd'hui, Amunafé Barbara, à la manière. La cérémonie a pris fin par la signature d'un protocole par les différents partis politiques et organisations de la société civile présents. Signature qui détermine l'engagement de chacun à soutenir le projet de nouvelle constitution. En plus de ce débat constitutionnel qui a fortement dominé l'actualité politique au cours de cette année qui s'en va, on note aussi le processus électoral qui divise actuellement la classe politique. Après le premier calendrier de la CENI qui avait initialement fixé la tenue des législatives au 28 décembre passé, ces élections sont finalement reportées au 16 février prochain. Mais là aussi, la déchirure de la classe politique sur la question est évidente. Sept commissaires de la CENI se sont retirés du processus électoral. Au même moment, une grande partie de l'opposition dit qu'elle n'ira pas à ces élections, qu'elle compte d'ailleurs empêcher pour, dit-elle, éviter une mascarade électorale qui aurait déjà commencé depuis les opérations de recensement des électeurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité politique de l'année. À présent, un mot sur l'actualité parlementaire. Celle-ci est marquée par les différentes sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée nationale. Lors de ces sessions, les députés ont voté plusieurs textes de loi. Mais celui qui a le plus marqué le débat public, c'est le nouveau code civil qui interdit la polygamie. Sinon, qui relègue la polygamie au second plan en faisant de la monogamie la règle. Le sujet a fait l'objet de nombreux commentaires, notamment chez les religieux, mais aussi dans les rues de Conakry. Suivez ce dossier signé Djenabou Diallo. L'adoption de la loi sur la monogamie défrait la chronique dans la cité depuis ce jeudi. Nous avons rencontré Mamadou Bobosso à Koléa,
Il est marié à deux femmes et a même envie d'une troisième épouse. Lui ne comprend pas l'adoption d'une telle loi. Cette loi-là, vraiment, moi, ça, si c'est, quand c'est entendu, ça m'a beaucoup fait de mal, c'est découragé. Comment se marier deux femmes d'abord? Si elles sont vote de loi-là, ça s'engage d'eux-mêmes qui ont voté de loi-là. Ça, ça n'engage pas les pays, surtout nous, en Guinée, ici, les pays qui participent de l'islam. Exemple, le prophète Mohammed, il a donné des accords pour que tu pousses quatre femmes ou bien aux trois. Si elles sont bien aujourd'hui, si on nous dit que vraiment toi tu dois pousser une seule femme, alors que c'est les femmes qui doivent recoster sur ça quoi. Elles doivent sortir et son demande pour des lois là, vraiment, et elles n'est pas content pour ça quoi. Mamadou Bobosso s'inscrit dans l'option d'avertir au lieu de proposer. Seulement, ça veut dire ma femme, vraiment, c'est vie une autre femme qui se doit marier de troisième femme. Ce n'est même pas te demander. Lui, il sait d'abord. Mon deuxième femme, il sait d'abord, se dit, moi, je dois marier quatre femmes en mon programme. Donc, si je vois une femme qui me convaincue, ça veut dire seulement, c'est vie une femme encore que c'est que je dois marier, les troisième femme ou bien les quatrième femme. Omar Cissé est lui marié à une seule femme et est carrément opposé à l'idée de Mamadou Bobosso. Pour lui, il faut avoir l'accord de la première femme avant d'épouser une deuxième. C'est une bonne chose parce que tu partages ta vie avec ta femme à la maison. Et quand tu te maries, tu veux te marier à une deuxième femme, ta femme qui est à la maison, elle ne veut pas. Et que tu te maries, il y a de certaines femmes, ils peuvent être compréhensifs. Il y a de certaines femmes, c'est-à-dire même si avant ils te demandaient 10 000, quand tu te maries à une deuxième femme, il va te demander 20 000. Ou tout ce que tu feras pour l'autre, là, elle aussi, elle va te demander. Même si ça trouvait que si elle était seule chez toi, elle ne va pas te demander les choses là, elle va te demander. Ça, c'est le problème. Nous avons tenté d'avoir l'avis d'un religieux sur l'adoption de la loi sur la monogamie. El Hadj Issi Aga Souma est le premier imam de la mosquée Fofana. Il y a des hommes dont une femme ne peut pas satisfaire. Et si vous dites à ceux-ci de se limiter à une femme, ce que vous créez des problèmes. Si votre femme est incapable de vous satisfaire, elle ne peut pas vous empêcher de trouver une seconde qui vous aime. Dieu sait faire les choses. Tout comme l'an dernier, l'actualité sociale, elle, est restée dominée, cette fois-ci encore, par la guerre de leadership qui déchire certaines organisations syndicales. Différentes fractions rivales se battent pour le contrôle de l'USTG, Union syndicale des travailleurs de Guinée, et leur affilée du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-Sleg. Cette division de la classe ouvrière s'est une nouvelle fois avérée le jour même de la journée internationale des travailleurs célébré le 1er mai. Ce jour-là, des violents affrontements ont été enregistrés au Palais du Peuple. Alphaïe Ibrahima Touré. Le 1er mai a été célébré dans la plus grande pagaille. L'esplanade du Palais du Peuple était une arène de combat entre membres de l'USTG, version Abdoulaye Sow et Abdoulaye Camara. Refoulé dans un premier temps à la rentrée, le groupe d'Abdoulaye Sow rebrousse chemin et revient en force. Il faut que nous rentrions. Il faut obligatoirement que nous rentrions. C'est la fête internationale du travail. Le Palais du Peuple appartient à tous les citoyens, à tous les travailleurs de Guinée et non à une organisation syndicale. Ils sont rentrés dans la cour du palais, mais l'accès est bloqué au niveau de la loge officielle. C'est le début d'un tiraillement qui va finir à Rix. Chacun frappe l'autre avec ce qui lui tombe sous les mains. Thank you.
Dans la foulée, le premier secrétaire général adjoint de l'USTG version Abdoulaye Sow, Aboubacar Souma, est bastonné par le camp adverse. Blessé à la tête, le secrétaire général du SLEG est conduit dans une clinique privée de la place. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans cet affrontement, dont ce jeune roué de coups de ceinture dans le dos. Ce que je vois là, c'est grave, c'est grave. Je ne me retrouve pas. Et comme Aboubacar Souma, qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays-là? Le fait qu'il a dit la vérité, il défend les anciens, il défend les travailleurs, les gens sont contre lui, tout le monde est braqué sur lui. Et on ne va jamais le laisser partir. S'il ira, il partira avec nous tous, tous les anciens de la Loupe de Guinée. Camarades, salut! 2019 a été également marqué par les opérations de déguerpissement de grande envergure. En février déjà, les machines du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire vont rentrer en action à Caporail, où elles ont spectaculairement détruit des maisons sous le regard impuissant de leurs occupants. Le ministre Ibrahim Kourouma évoque la nécessité de récupérer les domaines de l'État. Suivez ce reportage de Kadiatou Diallo. Entamé la semaine dernière par la démolition de toutes les baraques, ce lundi c'est au tour des maisons d'être détruites à Caporail. Sur les lieux, c'est la tristesse et la désolation qui se lisaient sur les visages des habitants. Avec des bagages sur la tête, ils tentent de sauver ce qui peut l'être, avant l'arrivée de la machine qui détruit tout sur son passage. Même les manguiers ne sont pas épargnés. Avec un œil impuissant, cet homme assiste à la démolition de sa maison. Les images se passent de commentaires. Ces citoyens soutiennent que ce domaine n'est pas une réserve de l'État. Pour lui, le décret signé par le général Lansana Conté en 1989 précise que ceux qui ont occupé cette zone avant 1988 ne peuvent être délogés. Ce n'est pas une réserve de l'État. Le décret sorti en 1989 signé par Conté précise en son article 4 que ceux qui ont occupé ici avant 88 ne peuvent pas être délogés. Ils sont allés mentir au président Alpha Condé pour lui dire que nous ne sommes venus nous installer après 98. On parle de 267 hectares, mais personne ne sait ça commence où, ça finit où. On fait de l'amalgame, l'État a mis de l'électricité, a mis l'eau, a autorisé l'installation des écoles privées. C'est pas ça. S'il y a eu une défaillance au niveau de l'État, nous ne pouvons pas être les victimes. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Pendant que la machine continuait à démolir les habitations, des échauffourées ont éclaté entre forces de l'ordre et des jeunes de Caporou, jets de pierre contre gaz lacrymogène. Pendant cette cacophonie, ce jeune a été arrêté par les agents qui lui ont roué des coups à plusieurs reprises. Avec la démolition de ses habitations, c'est plusieurs familles qui se retrouvent à la belle étoile. Malgré les nombreuses critiques et cris de cœur, le ministère de l'Aménagement du Territoire ne fera pas marche arrière dans ses opérations de déguerpissement. Le 23 mai 2019, Ibrahim Kourouma pose ses valises à Dar Salaam. En plein mois de Ramadan et à quelques jours de la saison des pluies, de nombreux riverains de la décharge publique de Conakry se voient délogés par des machines qui ont tout ravagé sur leur passage. Omar Kondé. Très tôt ce jeudi, des pick-up remplis de gendarmes et de police ont pris d'assaut la rentrée principale de la décharge publique de Dar es Salaam, avec pour mission commencer la démolition des maisons. Les habitants, aussitôt informés, notamment les femmes, ont également investi la route avec un slogan de dernier recours. Donc, quelques minutes seulement après, les forces de l'ordre passent à l'offensive.
Ces femmes seront chassées à coups de gaz lacrymogène et la zone totalement investie par les hommes en uniforme. Du coup, les caterpillars commencent la démolition des bâtiments et encombrants physiques, excepté la mosquée et le forage. Aboubakar Souma voit sa maison cassée avec un regard impuissant. Avec l'État là, j'ai pas de sentiment. Mon sentiment c'est alarmant. Ou bien, c'est alarmant. Un pays si on ne dit pas la vérité, c'est pas bon, c'est pas un État. C'est pas un État. Nous ici, Combos ici, on a trouvé ici, il n'y a pas de Combos. Nous, nos maisons, on a acheté la terre, le terrain ici depuis en 80. Le criage était ici, les ordures étaient jusqu'à là-bas encore. Hein? Maintenant, ils ont poussé les ordures jusqu'ici. Et maintenant, ça veut dire que l'Aslam est devenu la dépotoir. Parce que la partie qu'ils ont dit là, qu'ils vont mettre les ordures qui sont faites en montant ici, là, s'ils poussent ça ici, ça ne veut même pas faire 3 ou bien 6 mois, ça ne remplit pas ici. Ça veut dire qu'ils vont venir de l'autre côté aussi. L'Aslam est devenu la dépotoir. Dans les regards, l'on sent de la tristesse et du désespoir chez des enfants, hommes et femmes, jetés dehors avec leurs bagages, qui sont désormais sans abri. Pourtant, le gouvernement annonçait un montant de 20 millions de francs guinéens par concession en guise de dédommagement. Cette proposition est rejetée par les habitants concernés car ils le jugent insignifiant. 20 millions, c'est alarmant, c'est insignifiant. Toi, un sac de ciment à l'heure là, c'est combien? 80 000. Bon, encore, tu payes encore le transport, ça va dépasser même 80 000. Ou bien, maintenant, quand on te dit maintenant. On te donne 20 millions. Ça, c'est du dépense. En quel mois qu'ils ont commencé à dire aux gens de partir prendre l'argent? Nous, on a dit, on ne va pas partir. L'argent, là, est petit. Ils n'ont qu'à nous demander digne de nom, comme ce que l'Assana a fait. De l'autre côté de la rue, l'on assiste à une parade de jets de pierre entre forces de l'ordre et manifestants. Selon des riverains, ces euphories ont enregistré 3 blessés par balle et un vieillard d'une 60aine d'années qui aurait succombé suite à une crise cardiaque provoquée par la démolition de sa maison. Sous une tension maximale, nous avons tenté de vérifier cette information, mais impossible de trouver un passage vers la clinique où les victimes seraient admises. L'atmosphère est particulièrement tendue et la situation risque de s'enliser cette nuit à Dar es Salaam. Cet autre déguerpissement se fait en plein mois de Ramadan et en tout début de la saison des grandes pluies. Dans le volet trame et calamité, nous avons choisi ce reportage qui porte sur les multiples inondations, parfois mortelles, qu'on enregistre chaque année à Conakry. Cette fois-ci encore, au mois de mai dernier, les eaux de ruissellement ont fait 5 morts à Dabondi, dans la commune de Matoto. Reportage Mamadou Tanoba et Surikan Djabangoura. C'est désormais devenu une habitude à Conakry. Les ordures font des victimes à chaque période hivernale. Cet homme a perdu 4 de ses enfants dans la nuit de vendredi à samedi. La forte pluie qui s'est abattue sur Conakry a drainé une montagne d'ordures devant sa maison, inondant ainsi la concession. Mohamed Silla a désespérément vu mourir ses 4 enfants sous l'effet des eaux sans pouvoir secourir aucun. La concession voisine a également enregistré une victime. Bon, nous arrivons vers 1h. Madi na re mom ri solo masakna na bangiku no madi na re sa masalom may na fay gire na na. On était couché quand la pluie a inondé notre maison. Les enfants qui dormaient au salon ont réveillé leur maman en disant « Maman, l'eau a rempli la maison ». Aussitôt, j'ai dit à leur mère de les regrouper. Entre-temps, moi j'essayais d'ouvrir la porte, mais les ordures avaient tout bloqué. Les réfrigérateurs flottaient sur les eaux. Mes enfants tentaient désespérément de résister, mais hélas, ils sont morts. Nous faisons kawandi, bah, il faut nous kawandi, bah.
Le maire de la commune de Matioto s'est rendu à Dabondi pour constater les dégâts. Mamadou Batos Camara a promis la démolition des maisons se trouvant sur les canaux d'évacuation des eaux. Les occupations anarchiques, on va les identifier et ces occupations seront déguerpies, pure et simple. À cause des constructions anarchiques et le relief de Dabondi, la zone connaît chaque année des inondations. Page noire pour boucler ce journal de l'an avec cette nouvelle qui a sonné le 27 juillet dernier comme un coup de tonnerre. C'est la mort de Kelle Fassal, ancien président de la Cour constitutionnelle. Quelques mois avant son décès, Kelle Fassal a été destitué de son poste à travers un arrêt controversé rendu par ses pairs. Derrière leur démarche, certains observateurs voient une main noire du chef de l'État qui aurait sanctionné ainsi Kelle Fassal à cause de son très célèbre discours tenu lors de la cérémonie de l'investiture du président de la République en 2015. À l'époque, Kelfa avait invité Alpha Condé à ne succomber aux mélodies des sirènes révisionnistes. Allusion faite au tripartuage de la Constitution, l'enterrement de son corps a mobilisé autant au cimetière de Cameroun. Suivez. Kelle Fassal a mobilisé une foule compacte, issue de tous les milieux, à son enterrement. Des personnages anonymes à la famille judiciaire, des anciens cadres et des cadres vivant à l'étranger, tous ont pris part à l'inhumation de l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Le monde s'est fortement mobilisé pour accompagner Kelle Fassal à sa dernière demeure. Parmi ceux qui ont effectué le déplacement, ce vieil homme d'un âge très avancé, incapable de s'arrêter sur ses pieds. Mais malgré tout, il a tenu à assister à l'enterrement de Kelle Fassal, étant assis sur une chaise. Désormais, Kelle Fassal repose à jamais au cimetière de Cameroun auprès de plusieurs illustres personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guinée de leur vivant. C'est la fin de ce survol rétro-perspective de l'actualité de cette année qui s'en va. Merci de l'avoir suivi. Bonne et heureuse année à tous.